Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Route Principale. Route Principale, c'est cette émission qui vous propose différents visages, différentes personnalités, les gens que vous connaissez, même ceux-là que vous ne connaissez pas, à partir de cette émission, vous les découvrez. Merci pour la confiance que vous montrez à cette émission et à toute cette équipe qui nous accompagne, mesdames et messieurs. Vous nous suivez en ce moment à Kasumbalesa et à nos amis qui nous suivent à Kinshasa. Vous nous suivez en Europe, aux États-Unis, sur YouTube. Nous sommes des cœurs avec vous. On reçoit tous vos commentaires, vos critiques. On le reçoit et nous améliorons toujours. Pour vous faire plaisir, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir. C'est un visage que vous connaissez. Les autres, peut-être, ils ont déjà oublié, mais vous allez vous retrouver. Un monsieur bien qui a fait les beaux temps dans cette province, dans ces pays. Nous allons le découvrir ensemble. Mokubwa Kilobo, bonsoir. Bonsoir, Ndokoyango Hervé. Hein? Ouais. Très fier de vous voir. Vous allez bien? Par la grâce de Dieu, Dieu me garde. Ça, ça a changé. Ça ne peut pas changer, c'est une voix totalement naturelle. Voilà, c'est la mienne. Okay. Voilà, permettez que je vous offre le champagne. Ah oui, c'est bon. Pour qu'on puisse bien moi, parler. Moi, je ne refuse que le fouet, hein. Le champagne, je vais prendre. Voilà. C'est bon, merci. C'est une façon pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Et voilà, j'ai d'ailleurs ce droit-là, parce que ça fait longtemps que j'étais à Lubumbashi. Très bien. Et je suis là. Là, je me sens bien. Ah, voilà. Voilà. Je n'ai plus parce qu'il n'y a rien. Tu as partagé avec un champagne comme ça, tu peux ma solo. Il n'y a aucun problème, papa. Et puis, il vient avec le méchant qui est parti. Voilà, tu manquais ça. Je suis là, ne vous en faites pas. Je suis là. Même si je suis loin, mais esprit est en gonné. Esprit quoi, papa? Je ne peux pas. Route principale. C'est bon. Alors, on va trinquer. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Accent, Kabisa. Merci. Merci à Seda Champagne qui ne cesse de nous soutenir. Merci à toi Seda, le bon champagne, le bon, la bonne boisson, c'est chez toi. Merci cher partenaire, on est ensemble. Kilobo, il y a des gens qui vous connaissent, ceux-là qui vous ont déjà oublié, et ceux-là pour leur première fois, ils vont vous connaître. Tout à fait. Qui est-il? Voilà, Kilobo, c'est une personne physique. Né en 1900X, fils de Mwalimu Kayembe Lubamba Kilobo, paix à son âme, ça fait presque 2 ans qu'il nous a quittés. Désolé. Et de Marie Kazadi Kaboulo, qui est encore vivante. D'ailleurs, je la salue en passant, ma mère, que j'aime beaucoup. Et le vrai nom de Kilobo, Kilobo que vous voyez ici, c'est le sobriquet et c'est le vrai nom de mon père, qui est en même temps le vrai nom de mon fils aîné. Okay. Mon père répondait au nom de Kayembe Lubamba Kilobo. Et mon fils aîné s'appelle Kayembe Lubamba Kilobo. Il est à Kinshasa où il fait la construction à l'IBTP, il est en G2 maintenant. Voilà. Okay. Je le salue aussi mon fils. Courage, il faut étudier. Très bien. Et ce sobriquet-là, je l'avais pris pour honorer ma famille. Donc, je suis fils de Kayembe Lubamba Kilobo et de Marie Kazadi. Mon vrai nom, c'est Alain Kayembe Konkolan Kasu. Waru Konkolan ya Beneka, Konkolan ya Bayukane, Mwana Mulubane Kebengone Songu, Okayena Mikaji Kobeo Sakula Samashi. Bilanzaga bien. C'est ça mon vrai nom. Une image connue. Oui.
dans la scène culturelle, comment c'était les débuts de Kilobo dans la culture? Vraiment, c'est une longue histoire. J'ai tiré, je dois être un peu bref pour éviter de prendre beaucoup de temps. J'avais pris goût. C'était grâce à ma grande sœur qui répond au nom de Kishiko Kazadi. Elle est la deuxième de la famille. C'est là que j'avais pris goût parce qu'elle jouait au théâtre à l'époque. Je crois qu'elle était dans le groupe du Fé Kazadi Ngeleka, si j'ai bonne mémoire. Et souvent, elle me prenait. Et j'allais assister au spectacle. Je me rappelle, elle jouait avec Kadiambil, qui est encore là, et les autres. Et j'avais pris goût. J'étais encore trop petit. Je crois, si j'ai bonne mémoire, j'avais 5 ans ou 6 ans, 7 ans. Et quand je rentrais, je les faisais à la cité, jusqu'à ce qu'arrivé en 88, je me suis dit non. J'étais encore trop jeune. On pouvait créer un groupe. J'ai créé un petit groupe qu'on appelait Petit Fou du Théâtre. Parce qu'à l'époque, il y avait Mundo qui avait son groupe, qui s'appelait Fou du Théâtre. Et moi, je me suis dit, comme lui est fou, moi, je suis encore petit. Petit fou du théâtre. Et ça a commencé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y avait, comme j'étais toujours sollicité, en 1990, trop jeune toujours. Et à l'époque, j'étais en 5e des humanités, à l'ITC Matunda. Et à l'époque, je dois être sincère, j'étais dans l'UDPS. Nous avons commencé, là, je te dis, j'étais en l'UDPS et puis en 90-91, j'étais même président de JDPS sous section Manachaba. Et même président de la JDPS, la jeunesse. Et il y avait des histoires, je ne vais pas entrer là-dedans. Je prendrai fuite en Mbujimaï, alors qu'au natif, pas seulement natif, originaire du Katanga, des pères et des mères, je me retrouverai au Kasaï. Et là, c'était en 93-94. Et pendant ce temps, Kadiombo est resté. C'est là que Kadiombo, Didier Kalombo, que je salue en passant, Ali Kassi, ils ont tourné, mais c'est solution, ils ont tourné un truc Toto avec les Zembela. Et Kadiombo aussi, en 95-96, il était de passage en Mbujimaï. Il dit, ce petit-là était fort tout ça. Il m'a pris, nous sommes rentrés en 96. Je n'ai jamais oublié, nous avons quitté Kasaï au mois de mars. Et au lieu d'atterrir à Lubumbashi, nous avons atterri à Likasi. Et nous avons commencé les spectacles avec Kadiombo. On a fait venir Zembela et le feu Ndundu Pelenge Souple, paix à son âme. Souple. Et de là, nous avons pris Koloesi et nous avons fait 2 mois. Alors que j'avais quitté chez moi, ici, à Lubumbashi, autant d'années. Mon père et ma mère, à l'époque, les téléphones, il n'y en avait pas. Ils apprenaient ici et là que votre fils est là, tout ça. Et quand nous sommes rentrés, là, on m'appelait, pas Kilobo, on m'appelait Konkolamsin. Donc, les Konkolan Kassola, je l'avais mis comme un produit, un médicament qui pouvait soigner les gens qui avaient des problèmes de cœur. Parce que si vous avez un problème de cœur, plus on vous fait rire, vous avez un problème de tension, vous détendez. C'était un médicament. Maintenant, c'était non, là, selon Kadiombo, bon, ne paraissait pas du tout bien. Bon. Fallait chercher les noms. Et il me provoquait. Kadiombo et le feu souple me dit non, on peut te donner Kifuntero Bina. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Quel nom? Et Zembela était là. Zembela a réfléchi. Zembela savait que mon père répondait au nom de Kilou. Et si tu prenais Kilou? Ça, je dois être sincère, l'histoire, on ne la change jamais. Malheur aux gens qui viennent et qui vous disent de fausseté. C'est pas bon. Voilà. Zembela dira si vous pouvez prendre Kilou. J'ai dit, oh, ça passe, je prends. Et c'est Zembela qui avait dit Kilobo, double traction, parce que ma voix là, quand je parle, c'est comme si c'est un moteur à double traction. Voilà. Et moi-même, je compléterai à la suite pour dire Kilobo, double traction, l'homme à la voix d'homme. Et nous avons évolué avec les Kadiombo. À un certain moment, ça a coupé court avec Kadiombo. Nous sommes restés avec Zembela, avec Thierry Mukelekele. C'est un grand artiste. Okay. C'est avec lui que nous avons commencé. Parce que les gens ont une confusion. Quand on dit collège Zembela, les noms là étaient sortis de votre confrère, paix à son âme. Beaucoup sont partis. Hein. C'est pourquoi nous devons dire merci à Dieu, parce qu'il continue parce à nous garder. Garde Vincent Diassabando, vous connaissez, de la RTNC. De la RTNC, oui. Voilà, qui nous a déjà quittés. C'est lui qui avait donné, parce qu'il y avait un festival. À ce festival-là, parmi les membres de jury, il y avait le professeur Witi Mulongo, il y avait le professeur Kilanga Musinde, et les autres.
Et nous, nous avions battu Kadiombo. Nous étions sortis meilleure troupe, meilleur acteur, meilleure mise en scène, tout. Et quand on devrait nous recevoir sur le plateau de la RTNC, c'est quand Vincent Diassabando dira « Je viens de recevoir les collèges Zembela, Kilobo, Munguruma et tout ça. Moi, je dirais « Bile, bile, fou, bien, né. » Je ne savais pas qu'en dehors de ça, j'ai dit « Mais laisse-moi, c'est le collège Zembela. »« Bile, 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 fou. » Et ça, c'est moi. Même si Zembela passait ici, ça, c'est moi. Il sera là bientôt. C'est bon. Donc, voilà. D'une manière brève, nous avons continué, bon, à un certain moment, comme j'étais toujours réclamé dans le monde politique, je me présenterai pour la toute première fois en 2006 comme candidat. Je n'étais pas candidat malheureux, j'étais heureux, mais victime de la réalité électorale en République démocratique du Congo. Et Banzamou Kala Nsungu viendra. Pourquoi vous vous appuyez toujours Je m'appuie parce que je sais ce que je dis, et ce que je fais. Vous n'êtes pas passé, vous êtes candidat malheureux. Non, heureux mais victime de la réalité électorale en République démocratique du Congo. Je crois que vous avez compris. C'est la même chanson de tous ceux-là qui ne passent pas. Bon je vous le concède. C'est bon, c'est gentil comme vous êtes quand même gentil. Je suis content. Et de là, Banzamou Kala Nsungu me découvrira. Il dira, ce petit courageux comme ça, il me prend. Il me met au sein de l'UDECO, Union pour la démocratie... du Congo et tout ça, pour le développement du Congo. Et dès là, nous avons évolué. Et en 2011, il était candidat, je l'ai soutenu. C'était prévu qu'il me soutienne aussi au niveau provincial. Malheureusement, il n'y avait pas... On avait bloqué tout ça. Et il m'avait pris, nous sommes allés à Kinshasa. J'étais d'abord son conseiller en charge de la culture au niveau du ministère national. Et il comprendra, il dira que non, attention. Ça, c'est un mandat. Je peux partir. Vous risquez de rester en l'air. Il m'engagera au fonds de promotion culturelle où j'étais chef de bureau adjoint. Il me dira, je ne peux pas te donner une responsabilité alors que tu n'as pas encore une réalité dans ces domaines. Et j'étais, sans vous mentir, étudiant pour comprendre. Parce que même lui-même, personnel, Banzamou Kala Nsungu, en tout cas, Mungu Bilulu, celui-là, c'est un père. Celui-là, Dieu lui avait donné le don d'apprendre à quelqu'un, Kwenda Kuloba, qui a commencé à distribuer le pain chaque jour, comme nous avons les autorités, j'entends le témoignage. C'est pas bon. Il a donné beaucoup. En tout cas, famille Banzamou Kala Nsungu, vous avez eu un homme. Et que Mungu, Mumise Moyoto Mukumbu Kekole Baba. Et voilà, après, quand j'avais dit, vous avez compris la chose. Et il me donnera le grade de directeur. Et avec la fonction de directeur de la promotion culturelle au niveau de la direction générale. Donc tous les projets des artistes, que ce soit Papa Wemba, Emenea, les Wazekwa, ils venaient chez moi. Malheureusement, je pouvais vous amener les images. Dans mon bureau, nous avons travaillé, bon, comprenez, les combats, même au ciel. Dieu lui-même avait eu un combat, parce que Lucifer l'avait combattu, alors qu'il était à l'est. Les gens croyaient que c'est au ciel où tout va bien. Mais il y a des combats où je me retrouverai au Kassai comme directeur provincial, Kassai oriental. Okay. Quand on dit que l'histoire, là où j'étais, quand j'avais fui, j'ai géré ça la direction du Kassai oriental pendant 2 ans comme directeur provincial. Okay. Et dès là, on me mettra au là-bas. Où je suis actuellement directeur provincial ou coordonnateur provincial du fonds de promotion culturelle. Voilà d'une manière brève les parcours des Kilobo. Voilà, un très bon parcours, un parcours à encourager. Alors dites-nous un peu les bons moments, les meilleurs moments vécus dans votre parcours en tant qu'artiste. Vraiment, le meilleur moment, sans vous mentir, c'est quand nous étions une équipe et nous étions une famille. Il n'y avait ni haine, ni un esprit, c'est pas moi, tribal ou ethnique. On ne savait pas qui venait de telle tribu, de tel coin. Donc on était une famille. Kadiombo, comme papa, nous, Zembela, Kilobo, Dundum Pelenge Souple et les autres, comme les enfants,
Et on passait des... On ne restait même pas à la maison, on veut dire, avec nos femmes. Donc, on pouvait faire une semaine à Lubumbashi, deux mois en train de faire des tournées. Ok. Et là, je dis chapeau bas à Kadiombo, parce que de ce côté-là, je l'ai toujours considéré comme Werrason. Pourquoi? Parce que Werrason a une politique de prendre des meilleurs. Mm-hmm. Il ne forme pas, mm-hmm. il prend les meilleurs. Et ce sont ces meilleurs-là qui font sa force. Okay. Mais à la différence de Kadiombo, Kadiombo, lui aussi, son secret, c'est de prendre les meilleurs. Mais lui-même aussi, il était... J'ai dit bien, meilleur. C'est pourquoi il avait pris Tiviela, paix à son âme. Banatoenda. Mungu Tuchunge. Tuchunge. À fois, quand on a repiqué Aksanti, nous, nous sommes encore là. Donc, nous avons passé de très bons moments, mais l'image que je n'ai jamais oubliée, c'est devant Mzé Laurent Désiré Kabila. Mm-hmm. Là, c'est Nzembela, Kirobo et Thierry Mukelekele. Mm-hmm. Nous avons fait rire. Pour nous checker chaque. On a checké, on a checké quoi? Pakichi Karibu Batobambe. Ça, je n'ai jamais oublié. Donc, je dis merci parce que nous avons eu cette occasion de le faire. Sur, parmi les quatre présidents qui sont passés, que moi, j'ai vécu, il y a eu Mobutu, il y a eu Mzé Laurent Désiré Kabila, il y a eu Joseph Kabila, et actuellement, nous avons Fatih Beton. J'ai eu la chance, en tant qu'artiste, de jouer devant deux. Okay. Donc, devant Mzé et devant Joseph Kabila, à l'hôtel Caravia, actuellement Pullman, okay. avec les Karundula, quand nous avons fait sortir Oli Anapo, Anapo. Et c'était... Voilà. Et à l'époque, quand nous étions unis, nous étions forts, ce que nous faisions, c'est pas maintenant où il y a des artistes qui protègent l'autorité. Ah, nous, hein? Ce n'était pas comme ça. Bilapan. Non. Et comment vous prenez cette position-là des artistes? Oh, ça me fait mal. Un artiste qui devient pro. Non, c'est pas bon d'abord à l'artiste, mais aussi c'est mauvais pour l'autorité qui cherche de s'accaparer de cet artiste. C'est pas bon. Parce que l'art, c'est quelque chose que nous, hommes, nous avons créé à part ce que Dieu a créé. Mm-hmm. L'art, c'est dans la tête. Il faut jamais bloquer l'artiste. Mm. Parce que plus vous bloquez l'artiste, plus il va oublier la mission que Dieu lui a donnée. Mmh. Il reste, c'est pour chercher, Yakumita Patapa, ça c'est pas bon. Mais l'artiste peut accompagner une autorité. C'est ce que nous avions fait à l'époque de Katumba Manke, à l'époque de Jacques Muyumba Ndoboula. C'était ça notre mission. Il nous prend, nous arrivons, nous avons fait des carnavals ferroviaires, mmh. moi qui vous parle ici, avec nos équipes. Et... Je m'excuse, paix à son âme, Katumba Manke avait compris. Il avait un problème de langage. Il n'aimait pas parler trop. Mais il savait que non, à travers ces gens ici, le message pouvait passer par un sketch. Et c'est ce que nous faisions. Mais nous n'étions pas comme ça. Pire petit, ou Katumba Manke. Non, ce n'était pas comme ça. Il en a tout bien. Non, je ne suis pas là. Écoutez, nous allons croire. Au chat, on a constaté quand même. Oui, ça me fait mal. Mais je ne cite personne. Mais on a bonné chaque avant. Mais nous, à l'époque, nous étions des girafes. Comme nous avons pori, Donc nous, à l'époque, nous servions la nation. Nous servions la province. On ne servait pas les individus. Malheur à ceux qui servent les individus aujourd'hui. J'ai dit. Mais comment vous trouvez la façon que voulut les théâtres? À l'époque, on pouvait voir les théâtres n'existent presque plus. Les théâtres, c'est devant, c'est un spectacle, c'est sur la scène, ouais. Et les gens en train de rire. Aujourd'hui, les théâtres n'existent presque plus. Je dois être sincère. C'est-à-dire, vous n'avez pas laissé de bonnes traces. C'est pas ça. Vous n'avez pas laissé une bonne école. Si, nous avons laissé une bonne école, mais avec des mauvais élèves. Oh. Non, c'est sérieux, vous m'avez posé la question. Allez-y, vous êtes libre. Parce que nous, à l'époque, ouais. nous vivions des spectacles. Je ne sais pas si vous avez cette idée-là. Oui. Tout à Tchézak, Saint-Cyprien, tout à Tchézak, Saint-André-Kim, tout à Cité des Jeunes, Saint-Martin, Moukatouba, partout, à Colouésie, tout sur la scène, Bichi, Mameza, papa, théâtre au vrai sens. Banayala.
Je vous dis, tout le monde a un spectacle, 15h. Bah, on a déjà, c'est 13h30. Mon couple. Ça, les couples. Tout le monde a tout à chaise à deux fois. On vivait de ça. Voilà ce que j'ai retrouvé. Mais je vous dis, je vivais bien dans le théâtre, je n'ai pas scène. Elle m'a aimé pas scène. Quand bien même. N'a quoi pas un coup. Mais aujourd'hui, elle est mère de beaucoup d'enfants. Ma femme, les gens. 23 ans de mariage. J'étais beau. J'ai perdu un peu ma beauté. J'étais très beau, je te dis. Maman, la beauté, maman, je suis en Angara, où il y a ma théâtre. Non. Attends, que tu te sois, Bibi. D'abord, ce terme-là, ma théâtre, Dieu les ménageurs piqué à la bande. Oh. Ça, je vous dis même devant Dieu. Ah bon? Je me la connais, les autres artistes connaissent. Appelez-moi artiste et ça va. Oh, non, je suis que ma théâtre. Et vous savez quoi? C'est l'artiste lui-même, par sa façon de se comporter, avait perdu la valeur. Parce que quand on dit un artiste comédien en Europe, c'est une personne respectueuse. Respectueuse. Friquée. Mais ici chez nous, un artiste, c'est quoi? On a fait qu'à Pampombe, on a goûté avant tout, on a goûté. Oh! On a goûté 2 kilos, oh, dis! On ne peut faire! Par contre, on ne peut pas transport! Vous vous diminuez. Vous arrivez à phase où rien dans le Kounia Pombe. Vous arrivez à phase où rien, par exemple, que Tembela n'a qu'une famille. Tu n'es pas sur scène. Tu n'es pas à la télé. Est-ce qu'il faut que fasse un théâtre, fasse chioté? Plus tu le fais, fasse chioté. Malasema ouyou, ni monto a boulé. Et un jour, Sodama a chipé à tempêter. En anion a quoi la bibia qui n'aime tout. Il a checké Tembela bibia. Mais on a besoin d'avoir une taque pika nous pika ma couronne. Vous savez quoi? Ah ouais, c'est mon nom de trésor, Poutou. Azor, pique comme Ben. Oh, pique comme Ben, mon salon. La balle. Allez le voir, mon terrain, il y a foot. C'est pourquoi, curieusement, dans ma dîner comme Ibaya, moi qui sois il, on avait un tweet à Babaraza. Bon, écoutez, c'est dans mes veines. C'est dans les sang, artiste. Oui, oui. Moi qui sois il, on a tout à fait. On avait checké chaud. Vrai ou faux? Vrai. Ça, c'est moi qui casse ça, enjoy comme un paille. Azin. Baga se gâchangagne. Mouina sa benamanaï. 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 Voyez un peu. Oui. Et ça fait mal. Et c'est pourquoi, moi, vous pouvez demander les témoignages. Pendant mon parcours, j'ai gardé ma valeur d'artiste et j'ai grondé les artistes qui se mettaient dans ces jeux de diminuer la valeur de l'artiste. Aujourd'hui, la plupart des artistes que nous recevons ici, sur ce fauteuil, le raison, c'est du genre, il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de mécènes, il n'y a pas de gens qui mettent le moyen. L'État ne nous accompagne pas. Est-ce de bonnes raisons? Faux et archi faux. Nous avons commencé à jouer au théâtre. La première des choses, nous avons aimé d'abord le théâtre. Et notre époque, les gens que je vous cite, Kadiombo, Zembela, Kilobo, Menemunguruma, Akakwame, Mofia. Nous avons commencé par le théâtre classique. Ça veut dire, on vous donne les textes, vous mémorisez. Vous mémorisez un rôle, oui. Et on a joué les pièces des auteurs différents. Hein, des auteurs africains, congolais, et tout ça. Et nous avons d'abord aimé notre métier. C'est au fur et à mesure, en devenant populaire, et aujourd'hui, pourquoi ne dis pas ma goutte? Donc ces histoires ici, il y a de l'argent. Comme déjà nous maîtrisons ces domaines, voilà, nous pouvons aussi vivre de ça. Malheureusement, ceux qui viennent aujourd'hui, théâtre, Aouya Tchézak, nous on a peut-être tout télé, la radio, on a fait, moi je les appelle les humoristes, qui sont différents des artistes. Comédiens, des artistes de théâtre. Voilà. Ils n'ont aucune notion d'un artiste sur scène. Et aussi, ils aiment bien qu'on les appelle humoristes. Bah, on a ça, humoriste, et leur comédien. Bah, tchakoulé. Je suis bon, tu vois, un tchakoulé. Parce qu'on a assez mangé. Humoriste, on a tchaké, tchakoulé. C'est de l'humour. Mais un artiste comédien, même le cinéma, il peut faire. Okay. Vous allez entrer dans les dictionnaires. Ouais. Wangarié, comédien signifie quoi? Humoriste signifie quoi? Comment vous avez-vous dit que vous papa, attaquez-moi, je suis un tchèque. Vous êtes humoriste. Je ne m'attaque à personne. Je suis en train. Mais c'est un message. Vous êtes humoriste. Venez vous servir. Vous nous servir. Vous nous servir. Je suis un monsieur qui a été un peu plus chic. Vous nous servir. Vous êtes humoriste. Donc, je suis un tchèque. Je suis un tchèque.
Je bois d'abord, hein. En tant qu'artiste, comédien, ouais, voilà. On peut encore, pas de problème. C'est bon. Je disais, nos amis, il fallait pas peindre le cage, pas yon cage. On a bâti, les hauts bobos on a bâti, quand on a réseaux sociaux, nous ce n'était pas ça. Chérie, quoi. Mais les coutons de la télévision, c'était un problème. Problème. Nous, nous avions réussi à faire rire les gens et à éduquer. Parce que notre mission, c'était faire rire et faire passer un message. Éduquer la masse. Ma cassette. Ma cassette. Bantou ma tourne. Mais on a chéma, oh, du coup. Ah, quand on me dit, ah, tu rebou. Oukou, tchemba, tchemba, oukou. Bantou, on a dit, imaginez, on a dit, mais Léo, aujourd'hui, ils ont la chance. Les caméras, si, et là. Vous pouvez, on peut même vous filmer à travers le téléphone. Mais nous, pour avoir la caméra qui est devant moi, il fallait aller à RTNC. Et à l'époque, à RTNC, vous connaissez les conditions? Mais attention, attention. Donc, dire qu'il n'y a pas de mécènes, c'est faux. C'est eux qui n'ont pas pris ces trucs-là avec beaucoup plus d'importance. Mon Fankolo a commencé, d'ailleurs que je salue, je vais faire un effort pour aller le voir. Ouais. Celui-là, c'est le monument. Il était aussi sur cette chaise. C'est le monument du théâtre katangais d'abord. Et pour le moment, n'empêche que je l'appelle le monument du théâtre congolais. Congolais. Et j'ai aimé, j'ai suivi Groupe Yake, hein, Barabakia, ils sont restés dans le, comment dirais-je, dans le naturel. Voilà. On a gardé l'identité. On a senti une moukatoubani. Ça, j'ai aimé. Et je salue le groupe Mfankolo en passant. On est ensemble. Nous avons évolué. Les autres, c'est pourquoi ma théâtre était dans ma salle. Aïnako. Nabanto a bien dit. Donc, je suis là. Je suis là. Ma publicité. Je suis là. Humour. Non, c'est par là qu'ils arrivent à dire il est ma théâtre et non à l'époque de quoi il y a un djala. Parce que il y a un djala. Moi aujourd'hui j'ai 23 ans depuis Niriowa. J'ai beaucoup d'enfants, j'ai 12 enfants. D'ailleurs je ne peux même pas cacher mon âge. Je suis né le 24 novembre 1972. Okay. D'ici là j'aurai 50 ans. Ok. Ah, comment tu... Ni kweshimiwa bakubwa, kuyua vyakuria, na kuacha kufata babibi babenye. Njo wanagarde. Ouais, parce que kama unafata babibi babenye, ule unafata babibi babenye, ni bababu. Donc unaona beba image ya ule bababu, utakome. C'est pourquoi tu n'as pas chaque fois ça, bababu, babibi babenye. Ya, on a 30 ans, mais à chaque zèque. Moi, je dis bien 48 ans. Dans 2 ans, je vais faire... la moitié du siècle. Donc, si Banasema, vous avez dit, ils ont dit que. Yandjala, pas du tout, pas du tout. Aïkwe Yandjala, Yousa Léo Moutasema Mounekala et Kankoubale, Mwambatanzambi, Baritiza Kafutubolo, Yandjala. Non, Baritiza Kafutubolo, Yamabendo. Il n'y a pas de problème. Je me rappelle même à l'époque, Mounekala et Kankoubana, Wakasana, Mwambatanzambi, que je salue, c'est mon ami. Mimi, il y a un chakouza motoka. Comme on a joué dans la motoka. Mais je me suis dit que motoka yango. Na mubeba mwamba na mubeba bale na ba na nuimba mbaya libenge. Donc kama ni sel kwa ya njala ni kwa ya njala ni bongo. Le problème c'est que boba na pata bati ya kupata bantu ba kupapa makuta. Jo baba tapi. Mais population qu'on a tes soit na njala. Aujourd'hui les théâtres ko mes amis jouent à une accueillir population. Il est chez tonza ko chezaka. Il y a quoi n'y a qu'on pas l'autorité pour que la population atteigne. Ça, je l'ai dit et j'assume. Ah bon? Ouais. Donc, ce n'est plus le théâtre que nous, on faisait pour l'intérêt de la société. Mais elles font pour l'intérêt de leur vente au profit de ceux qui les envoient et au détriment de la population. Voilà, on va essayer un peu de rentrer dans l'originalité. On est en train de chiter, on va toucher aussi à l'actualité. On va parler aussi de l'image de la ville de Lubumbashi. Ouais. J'ai une question. Cette question, elle serait bonne que je la pose à la personne concernée. Mais quand vous avez évolué avec cette personne, ouais. Zimbé, là, aujourd'hui, qui a son collège, ouais. Avec, c'était, c'est tout un groupe, au fait. Mm-hmm.
Les constats faits sur le terrain et l'inquiétude de la population, c'est que les vieux sont restés beaucoup plus dans la publicité que dans les productions. Il n'y a plus de spectacles, mais c'est votre école, c'est votre génération. Ça peut être quoi selon vous? Heureusement, vous m'avez aidé en me donnant déjà la réponse. Vous avez dit, je souhaiterais poser cette question à M. Zembella. Vous me prenez au mot alors. Et j'espère qu'il sera là. Je souhaiterais que vous puissiez lui poser la question. Tous, nous avons constaté. C'est lui qui a la réponse. Je vous remercie. Ah non. Je ne suis pas avec lui. Comment je peux dire? C'est lui. C'est comme vos collègues de classe. C'est comme vos collègues de classe. Viens, papa. Vous savez, vous pouvez... Savez-vous que vous pouvez être intelligent à l'école, mais dans la vie sociale, vous n'êtes pas intelligent. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous avons fait des histoires, vous vous rappellerez, peut-être vous allez vous rappeler, il y a des gens qui ont par 90%, 80%. Mais on a beaucoup allé au Anatana Motoka, mais on a pas de tabou, ma définition qu'on a eu. Mais où l'air, quoi qu'on a toqué à 48%, moi, on n'a pas 50%. Dieu qu'on a ma jeep. Donc, on a quoi maïele mou maïcha? C'est que ou le wa akiri sana. Wa akiri sana, on a qui a pas akiri mou maïele ya koumasson. Dieu exemple, on a l'état Panzembela. Je n'ai pas dit ça Panzembela. Je dis par rapport à la question que tu m'as posée, tu m'as dit comment ouéye. Nani, ni mou djibou pas fâché avec mon frère, n'a pas bien mal à ce moment. Non, hier, t'as quoi la réponse? Mais ouéye qu'on a fait lecture. Bon, ça, ça m'a rapport à l'évolution. Parce que vous m'avez dit que Mourikala pas moya, Nini, on n'a pas chakouyo. Je te pose aussi la question. Pourquoi tu ricala pas moya? Mais Mimi, si n'est pas bon, n'est pas. Voilà. Au moins, j'ai dit. Il est mourir, il est moya. Le mal de recevoir les comédiens sur le plateau. Comment Mourikala pas moya? Il y a qui l'a dit, n'est pas moya, n'est pas. Comment t'as dit aujourd'hui? Sport Ming. Ah, ça va. Il est un individu pas fâché. Allez, c'est bon. Nous avons suivi Alain Kilobo, KMB, Konkolankasu, dans une vidéo de plus de 3 minutes. Ouais. S'attaquant au gérant de la ville de Lubumbashi. Ok. Qu'est-ce qui vous a fâché? Qu'est-ce qui vous énerve à Lubumbashi? Oh, je ne me suis pas attaqué contre mon vieux, que je salue d'abord, monsieur le maire, je vous salue, c'est Kilobo. J'ai juste essayé de recadrer mon vieux. Hein, ça me fait mal. Lubumbashi qui m'a vu, je t'ai expliqué, n'est grandi. Ce que je vois dans la ville, ça ne m'a pas plu. Moi, je pensais que mon vieux devrait commencer par honorer l'image de Kasseba Makunku à travers sa ville. Parce qu'à un certain moment, cette ville était même, je crois, il y avait même un trophée qu'on avait donné comme étant la ville la plus propre de la RDC. Boulaya 2000. Vous vous rappelez, il y avait même, je crois, un trophée ou un diplôme de mérite qu'on avait donné. Non, En 2015, au mois de décembre, j'étais à Doha, capitale, au Qatar, capitale à Qatar, en Asie. J'ai vu, il est Moukini, mon frère, même nos pasteurs qui sont ici, je ne sais pas, et ces gens-là, vous savez ce qui se passe là, au Qatar? La population ne paye pas l'impôt. Pourquoi? Parce que le pays est plus riche que la population. Mais on a le pétrole. Mais une nation ne peut pas se développer sans impôt, sans taxes. Non, non, je ne dis pas que... Non, écoutez, mais elle se développe comment? Je dis, la population ne paye pas l'impôt, vu qu'on a moins moyen. Moi, j'étais là. Si tu veux, j'ai mon passeport au Tarona, j'ai un visa à entrer et à sortir. Et j'ai fait 12 jours là-bas, mais non, à 3 kilos. C'était 2015. Où est-ce que je suis allé? Où est-ce que la population qu'on a dit à ma chique, tu crois que je Covid? Je suis allé à la période. Ah, ah, mon bébé, et puis je suis allé pour les chauffeurs là-bas, c'est chaque jour. Où les chauffeurs m'ont allé? Ça, je ne vous mens pas. J'étais fâché.
Et j'ai dit non, ce n'est pas comme ça que vous devez remercier la population qui vous soutient. Et quand j'ai vu les images où Papos, Begonacho, Nyama, Nabukari, Begonakalanga, Benekantuko, j'ai dit mais finalement, est-ce que la ville a un dirigeant ou pas? Et là, je me suis dit, Dieu, qui cala Kimia, c'est être complice. Parce que même la Bible est claire. Kamoko, ni chaud ni froid, moi, Dieu, je te nierai. Ni chaud ni froid. Ces jours-là, j'étais chaud. C'était ça. C'était pour faire voir. Parce que Apamer, il m'a reçu hier. Je lui ai dit, j'ai des stratégies avec les leaders, les notables Katangé. Il y en a, Georges Mawine, Mokela, moi-même je suis là, les Didier Kalombo sont là. Bekoba Mingi, nous devons réfléchir comment récupérer l'image, il y a les phases. Et la politique que je lui ai dit, je ne peux pas dire ça ici, parce qu'il faut qu'on commence. Koko Muntu Mwingine, nan fimbo atashikia. Mwingine ni conseil. Monesha. Mwingine na yeka mwona monesha shishiki, il faut piquer un fimbo. Mais moi, kufatana na ile kamasomo nilifundaka, na mafundisho nilipataka, na mubakubwa militembea, je suis parmi les cadets politiques de Banzamu Kala Nsungu. Ok. Et là, je profite. Ça avait retenu de quelque chose. Beaucoup de choses, je te dis. Beaucoup de choses. Et là, je profite pour dire aux autorités, quand on vous appelle, au téléphone, ou chona sema parabanata kulomba makuta, faites comme Banzamu Kala Nsungu. Peut-être que Banzamu Kala Nsungu, ça t'aura parlé fâché, Banzamu Kala Nsungu. Banzamu Kala Nsungu gérait son téléphone 24 heures sur 24. Avec toi. Kama Eko occupé. Après, anakuita. Mais aba kama na ita ni makuta. Baba, ata ni makuta. Tuna kulomba. Shulete. Shikunayo. Là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ne pensez pas que quand on vous appelle, c'est pour vous demander l'argent. Et même si on vous demande, c'est notre droit parce que vous en avez. Donc, là, c'est un message que je profite. Ah, bah, bébake. Qui sait comment il s'est wake? Oh, ouais, c'est ni liquida. Ni liquida. Ni liquida. Ah, oui. Oh, qui l'a entendu? Je suis ni paix. Aïté, c'est quoi, mingo, kunayo. Donc, c'était ça. Ça me fait mal. Mais d'ici là, je crois que nous allons entamer les démarches. Et voilà. Les gens disent... Lubumbashi perd son éclat. Lubumbashi perd sa beauté. Ouais. Est-ce que faudra-t-il construire de nouvelles villes, un nouveau centre commercial, abandonner celui-là où vous trouvez que c'est possible de finir avec cette histoire de parking des motos partout au centre-ville, marché pirate partout, des immondices, des tas de immondices même partout. Est-ce possible de remédier à ça? C'est un problème de conscience. Lubumbashi s'agrandit. Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il était venu, il avait déjà un projet de construire une nouvelle ville. Malheureusement, sa mort, la ville a été stoppée. Et je crois que dans les soucis, parce que c'est la ville qui, chaque jour, il y a des gens qui viennent. On ne va pas rester toujours dans un petit coin où chaque jour le véhicule entre, alors que nous nous retrouvons toujours avec de mêmes routes. Et comme conséquence, ce sont les bouchons, les embouteillages, comme vous l'avez dit. Il faut désenclaver la ville. Même dans d'autres pays, on peut parler, je crois, du Sénégal, où il y a la capitale commerciale et la capitale politique. Même ici, pourquoi ne pas créer une nouvelle ville? Les Katangais, il y a beaucoup de milliardaires. Il y a beaucoup de millionnaires qui peuvent se décider, qui les laissent les histoires de dire que non, voilà, voilà. Où est-ce qu'on allait, Tayak? Tu sais quoi, c'est quoi, Tayak? Beko Mingi, je me réserve. Je suis un milliardaire. Beko Mingi. Milliardaire? Oui, Beko Amo. Où mon katan? Beko Amo, Mingi, il y a un millionnaire. Tayak, tu vas dire. Il y a un autorisé. Lubumbashi ishimame. Batele mamambo yabo ya. We muntu moya. Bala kunome ministre, ube kunome gouverneur. Unenda kuuza fashi ya kweka mampango 400. Donc, oku besoin ya Lubumbashi mshima, tukwe balokateri yako. Vanité de vanité. Tout est vanité.
Chukwana manyumba ta 3, ta 4, benza kuna boba yenge. Donc pour weye, ni ile système ya kusema no, kama uye na yana panda, atafia kunikombanisha. Ilifo kama mikilo bomi na kuita, ukifia kunipa makuta ya mingi ni 2000. Juu ishe mdiyo ni kwete na nikulombe liko mkongo yako. Mkubwa. Fimbo ya Mungu inataka kuuya. Ni mkubwa kaini mwenyewe upa anajadresi. Nanya shukubebe telefonu? Mi shere na mtu asimbebe telefonu. Fofo Konzi, yako nabeba telefonu. Vitali Sunzi, yako nabeba. Rafiki yangu Mukela, yako nabeba. Fofo Konza. Nanu Mbemba, yako nabeba wabenye. Serge Konde, mon ami. Yako nabeba. Un autre problème à Lubumbashi. C'est bon. Natif, né grandi à Lubumbashi. Leo kumulu alaba. Lubumbashi, massage, insécurité, viol, vol, manque d'eau, manque d'électricité. Bel Air, il est dans le quartier, moi, il y a Bazungu. Léo, il y a un paraville, ma bidon jaune, il y a un kitsch partout. Lecture, il y a une dégradation. Ça fait très mal. Malheureusement, j'ai vu l'autorité provinciale doté de moyens aux services qui ont la charge de sécuriser la population, et c'est bien, là je parle de la police, de moyens. Et je ne sais pas si ces moyens-là, au lieu de sécuriser, ce sont les mêmes moyens qui insécurisent, parce que je n'arrive pas à comprendre, l'opération commence à 1h du matin, où la ville... La circulation n'est pas là. Et quand les gens appellent, l'intervention arrive après. Je prends l'exemple. Ville Rouachi, 15 minutes. Balabale Kouaji, Utafika. Ville Katouba, 15 minutes. Balabale Kouaji, Utafika. Ville Golf, 10 minutes. Balabale Kouaji, Utafika. Mais quand les gens appellent, Abifike. Alors moi, je me dis, je vais donner juste un petit exemple. Même un exemple. D'abord, il y a une citation de Mayele, le général, qui avait dit. Si ceux qui sont censés sécuriser la population, c'est bien, n'arrivent pas à les faire venir, ceux qui font souffrir ou ceux qui attaquent ces derniers, ils se trouvent dans cette instance habilitée à sécuriser la population. Et si je dirais ceci, là je m'adresse maintenant aux autorités politico-administratives et aussi aux autorités policières et militaires. Kama, je le dis en swahili, mai kuna pita mtranche, mungu paka, surtout mkatuba, chitrugomela mkatuba, suis natif de la Katuba, je salue mes amis de la Katuba. Mai mtranche, muna baya paka nkopo, muna mwanga, muna tosha, mais mai haikauki. Mwe kakiri mbari. Koma tu kuna tosha, mamai kupaka na yala. Inezi kwa ni mpompi, njue nesha kufa nini, kusha ukachika. Comme ça, tu fais une solution. Donc, comment vous êtes en train de régir des hommes qui font que tu les pompes? Vous verrez que. Akuna, à mon tête, soit depuis Mranzak Tosha. Alors, je demande aux autorités politico-administratives, aux autorités militaires et policières, nous font que comme pompes. S'il vous plaît, Lubumbashi a besoin de la paix. Je dis. Connais. Nous font que comme pompes. Nous pompes, quand même. Banayou, à Valvaché, tout bon là. Qu'on va le voir, tout bon là. Ben Fanchien. Je n'ai rien dit, moi j'ai dit Bacho Tobola. Comment on a dit Bacho Fanchien, moi ça c'est toi. Moi, non, Mina, une question. Papa, Bacho Tobola, Tobola en pompe, il fung. Comment on a fung à Mina, oui. Tout à tes mêmes salam. C'est quoi la participation de vous, ouais. Leader d'opinion, votre participation dans l'amélioration des conditions sociales de la population? Bon. Vous savez, d'abord les conditions sociales de la population. Nous avons un ministère, et provincial et national, qui a la charge du social. Vous comprenez? Ces gens-là doivent connaître d'abord le social, c'est quoi? Et Dieu merci, je suis dans un parti, je ne me cache pas, je suis au Palou, c'est un parti de Mumbiste Unifié, nous sommes des socialistes. Le social, c'est quoi? Le social, ni kwangaria, kuishi, kuamuntu, kisha kuwaza bomuntu bwake kama kuna kaloko munerikatia pour que muntu ende kumbele. Mais malheureusement nous vivons kama mnapatia muntu ata ministère ou bien kama ni commissariat social anaibebe le ministère inakuwa anaanza kufanya nayo kampani yake akishuki fwashi bile kuna fanya na ngaka sana ye alors que c'est le ministère, voilà. C'est pourquoi moi je voudrais, moi mon apport en tant qu'artiste,
quand je parle comme ça, et les autorités me suivent. Et les ayants droit, ils le suivent aussi. Mais reste à savoir si Bilen Nounasema, Batabishiki, parce que vous m'avez dit, il n'y a pas de poli. Comme on est à Misha, à Semekouye Mouantou, on a fait un peu de temps. Il y a Fungo, il y a Masoku, il y a Kisongole. Il faut parler de poli, il faut parler de poli. Voilà, il nous reste quelques minutes seulement. Il nous reste quelques minutes. Merci à la réalisation. Monsieur Alain Kilobo, je vous prends maintenant en votre qualité de directeur provincial du Fonds de promotion culturelle. Ouais. C'est quoi la mission de cette direction-là? Oui, c'est un établissement public qui a l'autonomie administrative et financière, qui a comme objet social la promotion de l'art. Ce n'est pas la promotion de l'artiste, mais c'est la promotion de l'œuvre de l'artiste. Okay. Donc, un artiste qui a son œuvre. Je donne un exemple, je cite Hergé Kanyera, que je salue, c'est mon petit aussi bien, très poli. Okay. Il a son projet, il a son album. J'ai besoin peut-être à multiplier ma CD, ou bien Kungiam Studio, Kungi Sakusha. Il fait son projet. Et nous envoyons ce projet à Kinshasa. Et ça passe à la direction de la promotion culturelle, là où j'étais, quand j'étais à Kinshasa. Mm-hmm. Et je crois que j'avais servi beaucoup d'artistes katangais, entre autres Kadiombo. Mm-hmm. Et les autres, sans blague, Kyungu Mwepo, que je salue, que je l'avais servi aussi. Et là, on étudie, et voilà, on fait la promotion de ton œuvre, moyennant des conditions. Il y a ce qu'on appelle la subvention, c'est-à-dire, on vous donne l'argent, vous n'allez pas rembourser. Okay. Il y a ce qu'on appelle prise de participation, c'est-à-dire, c'est un projet que vous avez, donc c'est un contrat gagnant-gagnant. Nous avons participé. La vente, les rendements, vous avez une partie, selon le contrat, nous avons aussi une partie. Il y a aussi ce qu'on appelle les prêts. Là, ça demande beaucoup de conditions. Et maintenant, dans ce monde aujourd'hui, on ne retrouve pas beaucoup de CD, beaucoup de cassettes. C'est ça le problème. Comment vous vendez l'œuvre des artistes? Laissez-moi m'adresser à l'artiste ou aux artistes le choix. Nos artistes, ils sont un peu distraits. Ils confondent un projet à un état de besoin. Un projet, pour l'élaborer, je crois que tu as une idée. Ouais. L'état de besoin, c'est « nous avons besoin d'aïe, nous avons besoin d'aïe ». Et très souvent, les Kinois sont déjà trop avisés. Ils sont patients. Un projet peut faire même une année à bah, financer jusqu'à ce qu'il va être financé. Mais où est tout le monde? Il a, je crois, je ne sais pas, un concert ou un festival ou une manifestation le 20. Mais il vient vous voir le 12. Il dit « non, nous avons aïe, le fonds de promotion qui te est donné ». Et c'est un problème de maîtriser. Moi, très souvent, je crois que j'avais dit, même aux artistes ici, même à Colosie, je l'ai dit, il faut donner le projet 3 mois avant. On étudie. Et quand on le fait, nous, on vous donne. Comme la vente des cassettes actuellement, c'est compliqué. Papa, tout à Kimbira, nous, c'est subvention. Mais apparaît-il, Gamouletak? C'est ce qu'ils disent, mais tout à l'étac. Je suis sérieux et j'ai même des preuves. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons parlé. On accompagne ma projet artiste. Beaucoup, beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses à la fois. Prochainement, je souhaiterais que vous puissiez on me recevoir voilà, du fond de en cette qualité. Et je vais vous donner des preuves. En tout cas, je vais bien le préférer. Ne vous ça en faites pas pour longtemps. Papa, je suis là. Ne vous en faites pas. Même là, c'est mieux d'ailleurs. Comme ça, vous allez saluer le gouverneur Papa Solution. Je le salue aussi. Bon. Alors on va faire, j'appelle ça un petit jeu, ouais. Un petit jeu. Okay. Question-réponse. Ouais. Sans justification. Sans problème. Je suis partant. Chrétien ou païen? Chrétien. Vous aimez le football? Fanatique de tout puissant, moi j'aime. Votre joueur préféré? Actuellement? D'abord, c'était Mputu. Jusque-là, c'est Mputu. Jusque-là, c'est Mputu. Notre ami est parti, Muleka, mais jusque-là, c'est Mputu. En international, vous soutenez quelle équipe? Là, ça va vous faire mal. Tellement que je suis congolais du sang. Vos histoires-là de Bayern, de Barcelone. Ah oui, moi, c'est Mazembe ou rien.
Ah bon? Ça, je vous dis. Je suis sérieux. Il n'y a que mes enfants qui sont dans ces histoires. Moi, c'est Mazembe. Ok. Votre plat préféré? Sonsoman. Comme la potéa. Comme la potéa. Madame Anaïra Sama, c'est le poisson. Je mange le poisson avec les gnagnas. C'est mon plat préféré. Qu'est-ce qui vous détend le plus? Ce qui me détend le plus, me faire rire. Chaque jour qui passe, je me fais rire moi-même ou avec les gens qui sont autour de moi. Donc c'est le rire. Vous en trouvez quand même des gens pour vous faire rire? Oui, il y en a. Mais très souvent, je m'arrange pour me faire rire avec les gens qui sont aux côtés de moi. Votre musicien préféré? Reddy Amis. Votre comédien préféré? Actuellement? Comment bouge ça? Nani, Mr. Bin. Mon Congo. Congo? Caribbean. Je suis sérieux, j'ai cité Caribbean. Humoriste préféré? Ah, c'est différent, c'est quoi? C'est Caribbean, un comédien ou un humoriste? Mon frère. Vous savez? Ah, pas, non. On y dit pour toujours pas gagner à deux. Caribbean, hein? Ni comédien. Comment la semaine maintenant, ni humoriste? Ah, je sais, mais Mimi la coulisse. C'est un comédien. Ah, ça, humoriste préféré, quoi? Il est ôté, je n'ai pas de problème, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais je salue tout le monde, mes amis, Zembela, mon fia, tout ça. Allez, je vous salue. Mais il y a des préférences. Non, Caribbeana, je l'ai cité parce que c'est un petit qui, bon, quelquefois, quand tu as dit enfant, ça rentre dans un moment, mais quand même, il a mouru cadré. Petit Ananishikiak. Vous connaissez quelques leaders politiques dans notre pays? Oui, il y en a beaucoup. Les leaders politiques. Balé Bégoulou, oui, il y en a. On a préféré. Pour le moment, Joseph Kabila Kabangi, JKK. J'assume. Non. Où est-ce que je peux justifier? Ah, une question ingine. Hein? Une question ingine. Où est-ce que je peux justifier? Boukari Wamamayako, Atara Mabouna Mafuta Namboka, Atane Boubichi, Utasama Injasama Ongura Boubichi. C'est comme ça que c'est maman de Pégabia. Aguna Moutou en Chambra, quoi. Merci. Je n'ai même pas besoin de demander que vous nous fassiez une comédie. Non, je... Mais on peut quand même rafraîchir la mémoire de Louchoua. Ouais. Parmi tous les Tumabin, tous les toi, il est ma année, ma 2000, ma 98, ouais. Tous les Tumas sketch, toi, Boutamou. Ouais. Vous pouvez un peu nous rappeler. Kaloko, toi. Ouais, bon, je me rappelle surtout Kassette, il va dire là, paix à son âme aussi, quoi. Papa Moujedo, que j'avais beaucoup aimé aussi. C'est il est timbré à qui nous dans une forêt chacun parler ton affaire à mon niveau moi ya il t'en forêt chacun mon toto papi mon toba parlant bien c'est ma o papi mon toba papa mon dieu de qui le voit qu'on a fait ta ça na sabia mambo ni qu'on a toka mon kasavubu ni qu'on est dans mes choses chimam mais ça ni bébé taxi papa mon dieu de hier où y en a chimam mais ça mungo mais la coupe sabia mambo y en joue rien au nac ah mon toto le mais papa ni mis chimina ça congo mais aussi papa banabamba. Vous n'avez pas de jeu, mais vous n'avez pas de jeu, papa. Pas de jeu. Je n'ai 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 pas de jeu. Mais ça, je n'ai pas de jeu. Je n'ai pas de jeu. Quand je n'ai pas de jeu, je n'ai pas de jeu. Je n'ai pas de jeu. Je n'ai pas de faire une concertation avec moi. Je n'ai pas de jeu. Je n'ai pas de jeu. Apa ni munafiki tu asema munazo kusema bintu iko mbaya mimi sasa papa unirumie kwa ile bintu tulibianza kufanya nasema jina yenu ishipoteye njoo ile minute mtu mimi mungu fanya confusion ya bull bali pato bintu beko nafanya banishi kubi you sasa pale tuko na nashi boka bishao ni mama mimi sasa nitashukia wapi nilikuwa kushuka pa post tunafika pale pa niveau ya tunafika pa niveau ya mega store pale pa nani sasa nani unaniomba autorite ya leo bana chan na shibanzamani autorite wa leo ningi mu bureau ya unatoka mevid. Curieusement, ce qu'elle avait dit, c'est la vérité. Ah, bah, l'autre a fait qu'il y avait un peu comme un vide. Mais dit, chez Banzama, nous n'avons pas bureau Yves, on a tout quelque chose, ou on a tout enveloppe. Je ne sais pas, là, c'est vrai, je suis beau, je ne sais pas, papa. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, ok, qui est bon. Quand on a fait un téléphone, on a dit, tu es un kilo. On a fait un gola, ça, c'est la vérité.
on a tocha franc à moi on a ni ou tarif de transport mais ça merci beaucoup baba mina chouk mina ita madame mais c'est pourquoi on a mangé tout qui le moment mais on a ni pas tiens à quelque chose voilà paix à son âme papa mangé tout l'exemple est à quoi comme avec une banane quoi naï après nasema on est pas magota ni n'est qu'à chambola ba fala mais c'est à chambola comme monte jour de nituma. Très bien, merci beaucoup pour le message, merci beaucoup à notre très cher invité, Alain Kilobo, comédien, je ne peux pas dire ancien, il est toujours, l'artiste ouais, est demeure, c'est dans les sangs, comme l'avait dit l'honorable Vital Sonzo ici, ouais, mon ami. Nous saluons en passant. Non, merci salimi. À vous, on vous retrouve prochainement sans pour notre question de l'heure. Tout à fait. Merci d'avoir honoré notre plateau. C'est moi qui dois vous remercier, je vous dis félicitations aussi à la personne qui est à la caméra. Rolly Lokinda. Je salue aussi les patrons de cette chaîne, vraiment, vous travaillez dans des conditions dignes. En tout cas, Mzee Nazem, Nampemba Yako. Plus que même les Louchois. Mungu akubariki. En tout cas. Accent Tissana, merci à la grande équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Mesdames et messieurs, route principale continue chez vous. On attend vos propositions, vos critiques, vos subjections. Alors on est toujours là pour l'évolution de notre province. Bonsoir chez vous et bisous bye.